Marquis, du coup, on vient d'assister au tirage au sort des huitièmes de finale. L'UFC Barcelone, qu'est-ce que ça t'inspire toi déjà? Bon, c'est un grand match, un grand défi, un grand adversaire qu'on a. Voilà, comme d'habitude, encore une grande bataille pour nous. Il faut qu'on soit prêt pour cette confrontation. Comment vous avez réagi dans le vestiaire après ce tirage au sort? Moi personnellement, j'étais dans la salle des physios. J'ai travaillé, il y avait d'autres coéquipiers. Et voilà, c'était, on va passer les équipes et à la fin, ça restait pas grand-chose d'adversaire. Et quand on a vu que le Barça, il n'y avait que nous et le Borussia, et avec des grandes possibilités. Voilà, tout de suite, on se met, allez les gars, vas-y, il faut qu'on soit prêt et bon, et on prépare bien ça. Mais dans le même temps, on sait que c'est l'année prochaine quand même. Et on a des autres choses à penser d'abord pour arriver bien et en confiance pour ce grand choc. Barcelone, on se souvient de la dernière confrontation. C'est un sentiment partagé parce que c'était à la fois l'un des plus grands matchs de l'histoire du PSG en Ligue des Champions, le match aller, la victoire 4-0, et la désillusion du match retour. Ouais, c'est vrai, si on parle des choses qui sont passées, il y en a des bons moments, on a des mauvais moments, mais ça fait partie de notre chemin et ça fait partie de passé. Et je pense qu'aujourd'hui, le club a grandi, notre équipe aussi a gagné en maturité. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, beaucoup de joueurs qui ont même pas été là pendant ces confrontations-là. Alors c'est un autre contexte, Barça est dans un autre contexte, nous on est dans un autre contexte et bon, je pense que c'est vraiment notre histoire. Il y a aussi quelque chose qui change par rapport à la dernière fois, c'est que l'un des joueurs qui nous avait fait mal ce jour-là, c'était Neymar. Cette fois-ci, il est avec nous. Ça peut changer quelque chose aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que heureusement, il est là avec nous. Et c'est un grand joueur, un joueur qui a vraiment décidé ce match pour le Barcelone. Et c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu, des prêts qu'il a fait. Et malheureusement, il était contre nous. Aujourd'hui, il est avec nous. Et voilà, je pense qu'il a l'envie, il a l'objectif de faire le même mal qu'il nous a fait. Il veut le faire maintenant contre le Barça. Est-ce que tu as pu échanger déjà avec lui ou pas du tout? Non, pas encore. J'ai vu tout de suite après le match, quand on a rentré dans le vestiaire. Et on verra qu'est-ce que ça a donné l'examen aujourd'hui. J'espère que ça va aller. Ok.